Bonjour, me voici aujourd'hui en compagnie de Jessica Wilson. Bonjour Jessica, comment vas-tu? Bonjour à tous, très bien, très bien. Bon ça va, c'est le principal. Alors tout d'abord, à quoi dois-tu ton ascension? Alors au plaisir déjà pour commencer. Ouais. En même temps, si je fais les salons aussi, c'est pour rencontrer mes fans, me présenter, pour qu'ils puissent aussi me poser des questions, parler de mon site aussi qui est en création actuellement. Tout simplement. D'accord. Comment tu arrives à faire du X? Alors comment je suis arrivée à faire du X, c'est très simple. Souvent il y a des filles qui disent ça par rapport à elles aiment le sexe, mais moi c'est par vraiment le sexe par pur plaisir, pour des nouvelles rencontres, et en même temps je prends mon plaisir en étant filmée pendant l'acte. Au niveau du X, où te positionnes-tu? Plutôt hard ou plutôt soft? Ça dépend en fait des films. Bon, je suis plutôt hard, mais c'est vrai que ça dépend des films. Je peux être soft, coquine, ça dépend en fait. Je suis à moi-même, je suis plusieurs personnages. Quelles sont tes positions sexuelles favorites? Ma position sexuelle favorite, on va dire que c'est la lorette. C'est ce que je préfère le plus. Voilà. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, on se sent dominé tout simplement. Ouais. Tu préfères l'amour avec les hommes ou avec les femmes? Alors en fait, je n'ai pas tabou, donc pour moi, je suis plus femme. C'est vrai que j'aime les hommes aussi, parce que ça fait du bien aussi d'avoir un peu un pénis, hein, je vais être crue. Mais non, je suis les deux en fait. D'accord. Je suis les deux, ouais. Que faisais-tu avant de rentrer dans le métier du X? Alors avant, j'étais dans le modèle photo, tout ça en fait. Ouais. Ensuite, j'ai été vendeuse dans l'esthétique. Et ensuite, j'ai décidé de rentrer dans le milieu du charme. Ok. À plusieurs reprises, on m'a proposé de faire du X. Est-ce que pour toi, je pourrais être ton partenaire idéal? Si tu t'en sers bien, oui. Alors, à quand un film de boule avec Daron de boule? Alors, écoute, tout de suite, là, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, allez, alors. Hein. Alors, j'ai deux petits dilemmes pour toi, en fait. Donc, si tu réponds faux, je fais boudou-boudou dans tes nichons, tu D'accord. vois. Par contre, si tu réponds juste, je t'offre un cadeau de dingue. Donc, est-ce que tu es partante? Oui, bien sûr. Alors, en quelle année fut créée la marque Dorcel? 1975. Eh ben non, t'as perdu. 1975. T'as perdu. Non. La réponse était 1979. Ah merde. Donc je vais t'obliger alors. Oui, bah, allez. Alors. Voilà, donc c'est fait. Alors après, donc encore une fois, donc si tu réponds faux, un French kiss. Si tu réponds juste, je t'offre un cadeau de dingue. D'accord. Donc combien de hot d'or a remporté Marc Dorcel depuis le début de sa carrière? Allez, je te laisse une chance. Réfléchis. 25? Non, 46. M'inquiète. Allez. Voilà. Alors, parlons un peu d'une date importante qui aura lieu dans quelques mois. Tu seras la marraine du prochain salon érotique à Mons, en Belgique, le 5, 6 et 7 juin. À quoi peut-on s'attendre quand on vient t'admirer sur un salon érotique? On peut s'attendre à beaucoup de choses déjà. Donc, un show déjà, un spectacle. D'accord. Voilà. Tu me fais peur là. Ouais, non, c'est bon. Après, c'est qu'une question en vrai super simple, tu vois. Pour finir, peux-tu nous parler de tes projets à venir? À quoi vont ressembler les mois prochains de Jessica Wilson? Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, actuellement, je suis en train de créer un site marchand, c'est-à-dire où je vais vendre des produits, des DVD, rencontrer aussi mes fans, des jeux aussi. Par exemple, il y aura des tirages au sort chaque semaine pour rencontrer mes fans. Pour l'instant, ça va être ça, oui. Ok. Toi qui tournes aussi régulièrement aux USA, est-ce que tu penses que c'est important de tourner aux USA pour avoir une belle carrière dans le X? Oui, c'est important de tourner aux USA. Pourquoi? Parce qu'en fait, le milieu est grand là-bas. En fait, tout se passe là-bas. En même temps, il faut dire aussi qu'aux USA, ils sont très professionnels. Il y a beaucoup de comédie et moi, j'adore tout ce qui est comédie, tout ça. Mais c'est très important quand on veut être actrice du jour aujourd'hui. Il vaut mieux aussi tourner aux USA et pas qu'en France. On veut vraiment être connu partout. Quoi. D'accord. Et tu cherchais quelqu'un aussi pour aller tourner en février, si je me rappelle bien? C'est ça, oui. Et tu m'as pas pris alors, c'est pas bien. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Je viens avec toi alors. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as un petit message à faire parvenir à tes fans pour la fin? Mais bien sûr, mais en tout cas, je leur fais plein de gros bisous et ils peuvent me retrouver sur tous les salons dans les dates Aeropolis et plein de bisous. Merci beaucoup à toi, je te remercie. À bientôt.